Bonjour et bienvenue pour cette première webconférence Parlons Thermalisme en direct depuis les studios de la station thermale de Bourbon-Lancy et en direct depuis Bayonne dans les locaux du site lescuristes.fr. Alors nous vous avons donné rendez-vous aujourd'hui pour parler avec vous thermalisme. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser des questions alors sur la cure thermale, que ce soit en salon, que ce soit au téléphone ou que ce soit lors de votre séjour en cure thermale. Cette webconférence, première d'une longue série, a été créée pour vous répondre et vous accompagner dans vos démarches. Alors nous tenions à vous remercier pour vos très nombreuses questions qui ont été transmises ces derniers jours. Un grand merci à vous tous. Alors aujourd'hui, pour poser et répondre à vos questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Premier invité, Luc Vigneron, fondateur d'Écuriste.fr. Bonjour Luc. Bonjour Benjamin. Luc, un petit mot et de présentation sur le site lescuristes.fr. Oui, merci Benjamin. Donc merci tout d'abord pour l'invitation à cette conférence sur le thermalisme. Donc lescuristes.fr, c'est un site internet qu'on a créé il y a maintenant 10 ans, dont l'objectif est vraiment en fait d'aider les curistes et les futurs curistes à trouver toutes les informations sur le thermalisme. Donc tout d'abord, on va les aider à bien comprendre ce que c'est le thermalisme via différents dossiers, des articles, des informations sur les différentes maladies traitées par le thermalisme. Ensuite, on va les aider à trouver une station thermale qui correspond à leurs besoins en listant l'ensemble des stations thermales de France. Donc pour chaque station thermale, ils vont pouvoir trouver des informations pratiques, des photos, des avis et toutes les informations pour bien préparer leur cure. Et enfin, on va leur présenter des hébergements à proximité des établissements thermaux. Donc maintenant, on a à peu près 3300 petites annonces de location à proximité des établissements thermaux. Et aussi, depuis maintenant 4 ans, nous éditons donc un magazine papier qui est envoyé gratuitement par voie postale en début d'année pour informer les personnes sur le thermalisme. Merci Luc. Et puis, pour répondre à tes questions et aux questions envoyées par les curistes, Loïc Machio, notre deuxième invité, présent sur ce plateau à Bourbon-Lancy. Loïc Machio, directeur des thermes de la station thermale de Bourbon-Lancy. Une petite présentation de la station, Loïc, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour Luc, avec plaisir Benjamin. Alors avant de présenter la station, je vous rappelle que comme lescuristes.fr, vous pourrez retrouver toutes les informations de la station sur le magazine des thermes, le magazine qui sort en ce moment, le magazine de la station thermale de pleine santé. Donc vous retrouverez toutes ces informations dans notre magazine, vous pourrez nous le demander en cette fin de conférence. Bourbon-Lancy, c'est une station qui se trouve au centre de la France, située en Bourgogne du Sud, plus exactement sur le département de la Saône-et-Loire, à l'ouest du département, et très proche de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque seulement la Loire nous sépare de cette région. Bourbon-Lancy, c'est une ville de 5000 habitants, une ville à dimension humaine, avec un cadre idéal pour faire sa cure et pour prendre soin de soi. Dans cette ville, on va retrouver le quartier thermal, bien sûr, avec la station thermale et ses deux parcs qui se trouvent à proximité et son plan d'eau, bien sûr, un petit peu plus loin, où vous pourrez profiter de balades et également son quartier médiéval et historique. Alors, les thermes, vous allez pouvoir venir vous soigner à Bourbon-Lancy avec deux orientations principales, les maladies cardio-artérielles et la rhumatologie. Mais vous trouverez également plein d'autres choses puisque la station thermale de Bourbon-Lancy a développé depuis plus d'une dizaine d'années la branche prévention santé avec notamment plus d'une quarantaine d'activités qui vous sont proposées pendant votre séjour de 3 semaines. Et puis à Bourbon-Lancy, nous avons la chance d'avoir pu développer une cure spécifique fibromyalgie pour les personnes justement atteintes de cette pathologie, une cure spécifique d'éducation thérapeutique. Donc voilà pour cette première présentation de la station de pleine santé de Bourbon-Lancy. Merci Loïc, merci Luc. Alors, nous vous rappelons que pour celles et ceux qui n'ont pas pu envoyer vos questions les jours derniers, vous avez la possibilité de pouvoir envoyer vos questions en direct dans le chat. C'est un fil d'actualité, un fil de discussion qui se trouve à droite de votre écran
N'hésitez pas à envoyer vos questions et nous y répondrons en fin de ce live. Différentes thématiques vont être abordées ce matin. La première thématique, qu'est-ce que le thermalisme ? La deuxième, nous aborderons comment préparer sa cure thermale. La troisième, comment se déroule une cure thermale. Et enfin, comment découvrir le thermalisme autrement. Commençons tout de suite cet échange de questions-réponses avec la première thématique, qu'est-ce que le thermalisme ? Et nous retrouvons Luc de Bayonne sur le site, dans les locaux du site lescuristes.fr. Luc, je te laisse échanger, poser les questions et puis Loïc sera là pour y répondre. À toi Luc. Merci Benjamin. Donc on va commencer avec une question de Marie qui se demande quels sont les bienfaits du thermalisme. Merci Luc pour cette première question. Merci, je vais tenter d'y répondre. Les bienfaits du thermalisme, tout d'abord, il faut reconnaître que le thermalisme est une médecine naturelle qui utilise les propriétés de l'eau thermale. Alors, qui dit propriété dit bien sûr précision selon les cures qui existent. Il existe 89 stations thermales en France, 109 établissements thermaux, et chaque station a ses propriétés grâce à son eau. Et donc ça, c'est important. D'autre part, il n'y a pas d'effet secondaire, puisque encore une fois, on utilise l'eau thermale comme médicament, donc pas d'effet secondaire dans cette médecine. Et puis, c'est utilisé notamment pour les maladies chroniques, les maladies qui vous font souffrir au quotidien. On pense notamment à l'arthrose ou on pense au diabète, des maladies que l'on a généralement du mal à soigner avec la médecine traditionnelle, la médecine allopathique. Donc, c'est pour ça que le recours à une cure thermale est très intéressante. Elle a pour but de vous soulager, vous soigner durablement, puisque l'objectif est que ces effets durent dans le temps, et puis de limiter la consommation de médicaments, ce qui est aussi très important en cure thermale. Et puis tout ce qui va accompagner la cure thermale va vous permettre de vous sentir bien, mais bien physiquement bien sûr, mais bien psychologiquement, et puis d'apprendre de nombreuses choses sur la nutrition, sur le sommeil, sur plein de thématiques que vous pourrez aborder en cure thermale. Merci Loïc. Donc ensuite, on va enchaîner avec une question de Philippe. Quelles sont les différentes cures et comment sais-je laquelle me convient ? Alors, comme j'ai pu vous le préciser en introduction, il existe 89 stations, du moins 110 établissements thermaux, qui ont une eau différente d'un établissement à l'autre. Et donc, il y a les orientations qui vont avec. L'eau va déterminer les orientations et vous en avez 12 dans le thermalisme, 12 orientations thérapeutiques. Alors, la plus connue est bien sûr la rhumatologie avec les cures sur l'arthrose notamment, mais vous avez les voies respiratoires, la gynécologie, les maladies cardio-artérielles, les affections digestives et les maladies métaboliques, les affections urinaires et maladies métaboliques, les affections des muqueuses buccolinguales, la dermatologie, la phlébologie, la neurologie, les affections psychosomatiques et on trouve encore le trouble du développement chez l'enfant, plein d'orientations différentes et certaines stations vont avoir une, deux ou trois orientations différentes. Et c'est pour ça qu'on pourra également faire des cures en double orientation, ça c'est aussi très important. Alors, la question était plutôt savoir laquelle me convient. Vous allez déjà choisir cette orientation par rapport à votre pathologie et c'est avec le médecin traitant, le médecin que vous allez rencontrer pour la prescription médicale, que vous allez pouvoir faire le choix de votre orientation, selon votre pathologie encore une fois, et selon aussi vos choix personnels, puisque le cadre, l'environnement de la station thermale est également très important, puisque d'une station à l'autre, qui va se trouver en ville, dans un petit village, dans un coin reculé ou encore proche d'une grande ville, va vous permettre de trouver la station qui vous convient le mieux. Donc, c'est un choix partagé avec le médecin traitant et vous-même pour un choix plus de confort. Très bien, c'est noté, merci. Dernière question pour cette première thématique, donc une question de Jacqueline. Combien d'années de cure sont nécessaires pour voir une amélioration de pathologie ?
Alors, c'est une question qui nous revient très souvent. Combien de temps? Alors, il n'y a pas de durée parfaite, il n'y a pas de durée minimale, il n'y a pas de durée maximale pour les cures thermales. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser à ces ressentis, ce que vous allez ressentir quand vous allez faire une cure thermale. Alors, chez certaines personnes, vous allez ressentir les bienfaits dès la première cure. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, vous allez déjà vous sentir mieux, ça va vous soulager, vous allez avoir des bienfaits qui peuvent durer jusqu'à presque 6 mois, voire plus. Et pour certains, il va falloir plusieurs cures avant d'avoir les effets. Donc, il va falloir vraiment s'adapter à ces ressentis. On dit généralement qu'il faut au minimum 3 cures. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, je le dis, pensez à vous, pensez à ce que vous allez ressentir, au soulagement que vous procure la cure. Moi, je vous conseille franchement de continuer les cures si elles vous font du bien, de continuer à les faire toutes les années, parce que si ça vous soulage, elle vous soulagera d'autant plus d'une année sur l'autre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les garder dans le temps. La cure thermale, c'est curatif, mais c'est aussi de la prévention. Donc, il ne faut pas hésiter à le garder sur la longue durée. Merci Luc, merci Loïc. Écoutez, passons tout de suite à la deuxième thématique. Comment préparer sa cure thermale ? Luc, je te laisse la parole de nouveau. Merci Benjamin. Alors, donc pour commencer cette deuxième thématique, donc une question de Christine. Comment obtenir une prescription médicale pour une cure thermale? Alors, merci pour la question Christine. C'est la base, c'est la première chose à faire quand on veut faire une cure thermale, c'est obtenir une prescription médicale. Et bien sûr, c'est un médecin qui va prescrire la cure thermale. Alors, généralement, son médecin traitant ou le spécialiste, si vous avez un spécialiste, un rhumatologue, pardon, un neurologue ou autre, mais c'est le lien avec ce médecin que vous allez avoir et il va décider d'une prescription médicale puisque vous avez besoin, selon vos pathologies, d'une cure thermale. Alors, il va décider de plusieurs choses dans cette prescription médicale. Tout d'abord, du lieu, selon les orientations qui auraient été choisies pour votre pathologie. Donc, le lieu, il va être obligé de l'inscrire, c'est un choix qui peut se faire avec vous, mais également le fait que votre cure sera prise en charge à 65% ou à 100%, et ça on le verra peut-être dans une autre question, mais là aussi il va savoir s'il y a une exonération due à votre pathologie ou non. Donc la première des choses, avant de partir en cure, c'est la prescription médicale de votre médecin, médecin traitant ou spécialiste, et ensuite de l'envoyer à la Sécurité sociale, la CPAM, qui vous répondra généralement dans les 1 mois qui suit votre demande. Attention, maintenant, la CPAM répond généralement sur votre compte Amélie, donc c'est important de bien le noter, d'aller voir sur le compte Amélie et pas toujours par courrier. Voilà pour la partie un petit peu plus administrative. Merci. Et du coup, en parlant justement de sécurité sociale, donc Corinne qui demande, est-ce que la cure est prise en charge par la sécurité sociale ? Alors, la cure thermale, c'est ce qui la différencie aussi, du moins d'un premier point avec la thalassothérapie, par exemple, hein, c'est que cette médecine est prise en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 65% ou de 100%, tout dépend de la prise en charge, mais si vous êtes pris à 65%, vous aurez généralement le complément de votre mutuelle, c'est-à-dire que vous allez avancer au sein des stations le ticket modérateur, ce qu'on appelle le reste, voilà, qui va équivaut à 35%, et puis la mutuelle vous remboursera après que vous ayez la facture de la cure thermale. Si vous êtes pris à 100%, vous n'aurez pas à débourser pour les soins, mais je vous parle bien d'une prise en charge pour les soins, donc la partie thérapeutique. Donc ça, c'est très important. Et puis, selon les revenus, vous pouvez avoir une aide également de la Sécurité sociale sur vos trajets ou sur votre hébergement qui peut aller jusqu'à 150 euros environ. Donc, elle est prise en charge. Attention pour les cures de 18 jours, la durée qui est obligatoire pour une cure thermale aujourd'hui. Ok, merci Loïc. Une question ensuite de Salamata. Quel est le coût d'une cure en moyenne ? Alors, on vient de voir le coût, on va dire, prise en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle. Le coût qui est d'environ
pour 18 jours de soins, si on compte 4 jours par jour, ça fait environ 72 soins. Pour 72 soins, on a des cures entre 500 à 800 euros selon les orientations et selon le fait que vous soyez en double orientation. Le forfait, ça va être le médecin de cure qui va le choisir, puisque vous allez avoir différents soins, collectifs ou individuels, et selon la prescription du médecin de cure, cette fois-ci, il y aura un forfait qui correspondra avec un tarif qui est déjà mis en place par la Sécurité sociale. Ce ne sont pas les stations thermales qui fixent le coût des cures thermales. Et puis après, ça, c'est le coût des soins. Donc, on l'a dit, entre 550 et 800 euros. Et vous allez retrouver, vous allez avoir besoin d'un hébergement. L'hébergement va aller pour 3 semaines. Et ça, ça dépend des lieux, ça dépend des stations. Mais entre 600 euros à peu près et 1200 jusqu'à 1500 euros peut-être si vous êtes en pension complète en hôtel, bien sûr. Donc ça, c'est à la charge du curiste et c'est important de le comprendre. Le curiste paye sa cure et notamment son logement et sa nourriture, bien sûr. Il n'y a pas de prise en charge de ce côté-là. Donc en moyenne, une cure thermale coûte à ses propres frais, on dit environ 1200 euros pour un curiste. D'accord, très bien, merci. Ensuite, donc une question de Sébastien qui se demande « Je ne suis jamais parti en cure, comment dois-je m'organiser ?» Très bien, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes pour s'organiser et pour partir en cure. Il est important de prévoir un petit peu à l'avance. L'idéal est d'aller voir son médecin traitant hein, ou spécialiste en début d'année, puisque quand on va vous délivrer, quand vous allez prendre votre prise en charge chez le médecin et avoir l'accord de la Sécurité sociale, vous avez une prise en charge qui va être valable sur l'année civile. Donc, l'idéal, c'est de prévoir en début d'année pour pouvoir choisir sa date. Et puis après, une fois que vous allez avoir cette prise en charge, vous allez pouvoir contacter l'établissement thermal qui aura été choisi avec votre médecin traitant et donc faire les démarches nécessaires pour vous inscrire en cure thermale. Pour ça, il va falloir choisir les dates que vous aurez vues avec la station selon ses possibilités, selon ce qui vous convient également. Et puis, choisir également le logement. Alors, parfois, grâce à la station thermale, je sais qu'à Bourbon-Lancy, nous pouvons vous répondre sur toutes les informations, aussi bien la cure, le logement et le médecin. Mais dans d'autres stations, il faudra trouver également le logement avant de pouvoir vous inscrire à des dates précises. Une fois que vous avez réservé vos dates de cure auprès de la station et votre hébergement, vous allez prendre rendez-vous avec un médecin thermal, puisque vous ne pourrez pas commencer votre cure thermale sans avoir eu un rendez-vous médical. Il y en aura 3 durant votre cure, un au début, en milieu de votre cure et un à la fin de votre cure. Mais il sera important d'avoir celui du début, puisque c'est là qu'on va vous prescrire précisément vos soins. Et ensuite, vous vous rendrez à la station pour faire votre planning de soins et pouvoir commencer. Après, si j'ai un conseil à vous donner, je vous conseille vraiment d'arriver la veille avant de commencer vos soins, parce que ça vous laisse le temps de vous organiser, de vous installer correctement dans votre hébergement, de voir le médecin et de vous inscrire avant de commencer les soins le lendemain matin, tranquillement. D'accord, très bien. Ensuite, Annick qui se demande « Quelle assurance annulation en cas de fermeture des thermes ?» Alors, c'est un sujet important en ce moment, notamment dans la crise sanitaire que nous avons connue, puisque, vous le savez, les stations thermales ont été parfois fermées, parfois réouvertes, et on nous a toujours posé la question de l'annulation des cures thermales. Alors, je ne vais pas vous répondre précisément parce que je ne veux pas m'engager pour l'ensemble des stations thermales de France, puisque le process, en tout cas, peut être différent d'une station à l'autre. Généralement, et ça, je tiens à le dire, généralement, les stations thermales qui sont fermées pour raisons administratives ne vont pas vous garder vos arts, ils vont généralement les reporter, peut-être sur une autre date ou sur une année prochaine. Mais étant donné que c'est une raison de cas de force majeure, on est dans le devoir de vous rembourser. Après, il existe des assurances annulation quand vous venez en cure et que vous avez l'impossibilité de venir au dernier moment ou que la cure ne peut pas vous recevoir, il existe des assurances annulation pour pas que César reste à la station et que vous perdiez euh, ce,
cet argent que vous avez investi dans votre santé par avance. D'accord, très bien. Et du coup, une question un peu d'actualité de Corinne, donc qui se demande avec le Covid-19, est-ce que la cure aura lieu l'année prochaine ? Alors Luc, oui, la cure, on peut rassurer les gens, la cure aura lieu en 2022. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, les stations thermales ont prouvé leur intérêt pendant cette crise, et puis surtout, elles ont prouvé qu'elles savaient faire pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de risque important en cure thermale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un protocole important en cure thermale et toutes les conditions sont réunies. Depuis très longtemps, les stations thermales ont vraiment travaillé l'hygiène et la sécurité, et déjà juste avec ces conditions-là, il y a très peu de risques que le Covid se développe à l'intérieur des stations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais plus les gestes barrières, plus tout ce qui est mis en place, il y a très peu de chances qu'il y ait de problèmes de Covid. Et ça n'a pas été le cas pendant ces deux dernières années. Aucune station n'a connu un cluster au sein de ces établissements. Et puis, on a la chance d'avoir des médecins sur place qui vous font une visite en arrivant, plus une visite au milieu, une visite à la fin, qui permet aussi d'avoir une sécurité sur la condition, on va dire, physique et sur les pathologies des patients. En effet, c'est rassurant, merci. Ensuite, une question de Maryse qui se demande donc, quelle est la meilleure saison pour réaliser une cure thermale ? Alors, la meilleure saison, c'est la saison qui vous convient à vous, celle que vous avez choisie, celle que vous avez envie de prendre pour votre cure. Il faut être dans des conditions optimales, c'est-à-dire être libre d'engagement à côté. Il faut se dire que on avait choisi cette date, donc c'est important déjà de faire par rapport à son choix. Après, si les stations thermales comme moi vous donnent leur avis, on va vous conseiller d'éviter la période de septembre-octobre, qui est toujours la période la plus chargée en cure thermale. Vous allez me dire, septembre-octobre, c'est un petit peu bizarre, mais c'est tout simplement parce que nous recevons plutôt un public dit senior, et les seniors sont beaucoup plus libres en septembre-octobre, puisque les petits-enfants ont souvent repris l'école, que le jardin commence à être un petit peu moins florissant. Donc, automatiquement, vous avez beaucoup plus de liberté. Et donc, septembre-octobre est choisi parce que aussi, ça se trouve juste avant l'hiver et on se dit que pour passer un bon hiver, il faut juste faire sa cure avant. Après, on vous conseille, nous, de venir souvent en début de cure parce que c'est là qu'on est le plus en forme, il faut le dire. Toutes nos équipes sont en forme pour vous accueillir et surtout, il y a un petit peu moins de monde. Et juillet-août est également une belle période, hein, juillet-août, une belle période parce que tout d'abord, le climat était intéressant et en plus, ce n'est pas la période où il y a le plus de curistes. Donc, c'est relativement calme et c'est très agréable pour prendre soin de soi pendant ces périodes-là. Donc voilà, chacun choisit. Mais si on doit vous donner un petit conseil, on vous conseille juillet-août et le début de cure pour profiter au mieux de votre cure thermale. Très bien, merci. Et donc, pour clore cette deuxième thématique, une dernière question donc, de Esther. Réserver au préalable une cure sans accord, a-t-on un risque de rester sur les frais ? Alors, si je comprends bien, avant d'avoir l'autorisation officielle de la part de la Sécurité sociale, je fais mes démarches et parfois, il est vrai, dans les stations, on vous demande des arts, soit pour le logement, soit pour garder vos dates de cure. Alors, si vous déposez des arts et qu'il n'y a pas d'assurance annulation que vous avez prise ou que vous avez, ça risque, si vous devez annuler, si vous n'avez pas l'accord de la prise en charge, vous restez ces arts. Alors, attention, après, vous pouvez voir avec la station en direct pour pouvoir vous faire rembourser les arts s'il n'y a pas l'accord. Je m'engage encore une fois, pas avec toutes les stations en France. Je sais qu'à Bourbon-Lancy, nous souhaitons vous reporter les arts à chaque fois que vous avez un souci et puis même de s'arranger avec vous si c'est un problème de maladie, de vous rembourser ces arts si on pense que vous ne pouvez peut-être pas revenir après. Après, regardez bien les conditions d'annulation de chaque station. Certaines stations ne prennent pas d'art non plus pour réserver votre cure. Hein. À Bourbon-Lancy, on ne prend des arts que sur les logements, mais pas sur la cure thermale. Donc, vous n'aurez pas engagé de frais pour la réservation de votre cure. Donc, ce sera ces frais qui seront déjà en moins.
Merci, messieurs. Merci beaucoup pour ces réponses précises. Continuons tout de suite avec le troisième sujet. Comment se déroule une cure thermale ? Loïc, à vous messieurs. Oui, merci Benjamin. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, donc on va y répondre plutôt en fin de conférence, histoire de, oui, d'être sûr de faire déjà le tour de toutes les questions qui avaient été posées par email. Donc pour commencer cette troisième thématique, donc sur le déroulement d'une cure, donc une première question de Denise qui nous demande combien de soins par jour et leur durée. Alors, combien de soins par jour ? Ça va dépendre de votre nombre d'orientations. Si vous avez une simple orientation, je vais prendre l'orientation rhumatologie, vous allez avoir 4 soins par jour. Ça va durer environ 1h30 avec des soins individuels, des soins collectifs. Si vous avez une double orientation, vous allez avoir jusqu'à 6 soins par jour. Pareil, alterné entre soins collectifs et soins individuels. Alors, vous allez peut-être pouvoir voir défiler quelques types de soins. En général, une cure dure entre 1h30 et 2h30 avec des soins donc collectifs. On peut retrouver la piscine de mobilisation, la piscine à jets, hein, avec les jets qui peuvent être dans le dos, sur les hanches, sur les articulations qui vous font défaut. Vous avez également le couloir de marche, notamment pour la phlébologie et les maladies cardio-artérielles. Vous retrouvez ce couloir de marche. Vous avez également toutes sortes de bains, hydroxeurs, aérobains. Des bains locaux également. Les bains locaux, ça va être, vous allez le voir probablement passer également pour les articulations des mains et des chevilles notamment. Vous avez des étuves locales, donc encore une fois pour les mains, pour les jambes, ou alors des étuves générales où l'ensemble du corps va profiter de la chaleur de l'eau thermale. Vous avez bien sûr tout ce qui est boue, cataplasme, c'est-à-dire en sac de boue ou en une application directe, la boue directement sur le corps. Cela dépend également des stations. Et toutes les sortes de douches, que ce soit les douches au jet, les douches générales, les douches sous-marines ou encore la douche pénétrante. En fait, vous avez un panel de soins qui ne change pas trop d'une station à l'autre. Elle change selon les orientations, bien sûr. Mais c'est la nomenclature Sécu, Sécurité sociale, qui est importante puisque c'est elle qui fixe le type de soins et la durée des soins. Donc, la station thermale ne pourra jamais faire une durée inférieure à ce que la nomenclature Sécurité sociale propose. La seule chose, d'une station à l'autre, il peut y avoir des stations qui décident de mettre un soin plus long, c'est-à-dire, je pense à une douche qui durerait 3 minutes, eh bien, elle peut être proposée 5 minutes si la station peut se permettre. C'est le cas à Bourbon-Lancier, on propose des soins généralement un peu plus longs, sauf dans les périodes peut-être un peu plus chargées. Donc, pour résumer, l'alternance de soins collectifs et individuels, entre 4 et 6 soins selon le nombre d'orientations, et ça va durer environ 1h30 à 2h30, généralement le matin dans la plupart des stations thermales, mais ça peut être également ouvert en après-midi pour d'autres stations. D'accord, merci. Ensuite, une question d'Anthony. Donc, quelles conditions d'accès aux cures au regard des contraintes sanitaires actuelles ? Alors, si je prends les conditions d'accès de l'année dernière, on a un protocole sanitaire en station thermale qui est assez fort. Donc, on accueille les personnes soit qui ont un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire qui ont fait leur dose de vaccins et aujourd'hui leur rappel avec les temps de latence que ça demande. Mais on peut aussi également recevoir des personnes qui se font vacciner régulièrement. C'est-à-dire que l'année dernière, il fallait faire un test PCR de moins de 48 heures pour accéder à la cure et il fallait enchaîner 6 autotests pendant la cure thermale. Alors avec le nouveau variant, avec les futures contraintes que l'État va imposer, nous avons, je pense, on va passer du pass sanitaire probablement au pass vaccinal. Donc, probablement que les stations devront demander ce pass vaccinal à chacun des curistes qui viendront en cure et probablement que
le seul test et le seul autotest, contrôle par autotest, ne sera plus possible dès 2022. Sachant que de toute façon, la plupart des curistes que nous recevons sont déjà vaccinés et avaient les doses, on va dire que 15 à 98% des curistes étaient vaccinés jusque-là. D'accord, ok. Et donc pour terminer ce troisième thème, donc une question de Dani qui nous demande handicap et gestion de la cure, comment cela fonctionne quand on vient seul? Alors, ça aussi, il va falloir bien se renseigner auprès des stations sur lesquelles vous voulez aller. Il y a des orientations qui sont plus adaptées du coup à prendre en charge les personnes avec un handicap. On pense à la neurologie, on pense à d'autres orientations qui ont par expérience et adapté leur établissement. Il faut savoir que les établissements thermaux, ce sont souvent des établissements anciens, dans des bâtiments pas toujours adaptés à la prise en charge de l'handicap. Il peut y avoir quelques marches, mais que les stations, depuis des années, s'efforcent à améliorer ces conditions d'accès pour les personnes avec un handicap. Mais voilà, il faut se renseigner parce que ce n'est pas évident d'une station à l'autre. Nous, par exemple, nous mettons à disposition nos infirmières, nous mettons un accompagnement pour les personnes avec un handicap. On peut même aller les chercher jusqu'à leur logement. Mais notre établissement n'a pas obligatoirement de facilité pour les transferts d'une baignoire ou dans un bain. Donc, il faut vraiment, selon le handicap, échanger avec la station. Et nous, on peut même permettre l'échange avec nos médecins ou avec nos infirmiers pour que vous puissiez caler votre séjour. Il ne faut pas venir en cure sans avoir précisé toutes vos conditions d'accès parce que ça sera compliqué sur place de mettre en place tous les besoins. Ok, merci. Merci Luc, c'était la dernière question de troisième thématique. Écoutez, passons à cette quatrième et dernière thématique. Comment découvrir le thermalisme autrement ? Luc, à toi la parole. Oui, alors du coup, pour cette dernière thématique, donc une première question de Marie-Pierre qui se demande, donc afin de concilier sa vie professionnelle et son souhait de faire une cure thermale, est-ce possible de faire une cure de 10 jours? Alors, c'est une bonne question. C'est aussi une question qui nous revient très régulièrement. C'est vrai que la cure thermale prise en charge par la Sécurité sociale, elle est de 18 jours. On n'a pas le choix. C'est le cadre légal de la cure thermale et de la prise en charge de la cure thermale. Donc, il est difficile de déroger à cette durée des 18 jours. Pourtant, vous avez la possibilité, quand on continue à être actif et qu'on veut faire sa cure thermale, de faire des cures plus courtes, des courts séjours santé qui sont à vous de. En termes de durée, c'est vous qui pouvez choisir la durée. Ça peut être 3, 6 jours, 10 jours si vous le souhaitez. Par contre, il faut bien comprendre qu'elles ne seront pas prises en charge. Mais c'est intéressant de commencer par des courts séjours pour découvrir un petit peu ce qu'est une cure thermale, découvrir les bienfaits, puisqu'au bout d'une semaine, on peut aussi ressentir les bienfaits. Puis dans cette période un petit peu compliquée, c'est intéressant de revenir recharger les batteries, mais également de passer à autre chose, de prendre soin de soi, de prendre le temps pour soi, parce que dans cette période, on l'oublie un petit peu. Donc oui, on peut faire des courts séjours santé qui seront adaptés, vraiment qui seront liés à votre santé, à vos problèmes personnels. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pour l'instant pas de prise en charge de la Sécurité sociale. Sachez quand même que le thermalisme travaille depuis quelques années à des séjours sous d'autres formats et qu'elle travaille avec la Sécurité sociale pour pouvoir accueillir des personnes qui ne pourraient pas se libérer pendant les 18 jours. Donc peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles dans les années à venir avec des cures plus courtes, prises en charge également par la Sécurité sociale. D'accord. Et donc, dernière question avant de passer aux questions du chat. Donc, cette question résume un peu plusieurs questions qu'on avait récupérées par email. En fait, c'est pour savoir s'il existe des cures un peu spécifiques, par exemple pour la fibromyalgie, la perte de poids. Comment ça fonctionne en dehors des orientations thérapeutiques?
Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question en se disant, mais moi j'ai une pathologie très spécifique, j'aimerais venir en cure la soigner avec un programme qui soit vraiment adapté. Là aussi, le thermalisme a beaucoup évolué ces dernières années. Beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique du patient sont nés. Alors, c'est quoi l'éducation thérapeutique? C'est simplement la capacité à prendre en charge les personnes sur une pathologie particulière, mais à laisser le patient acteur de sa pathologie. La station thermale va être là pour proposer, bien sûr, les soins thermaux, des ateliers très spécifiques aux pathologies et vraiment de laisser le patient prendre en charge, de développer des compétences et de pouvoir les remettre quand il rentre chez lui. Donc, le thermalisme, vraiment, c'est trois semaines très agréables, c'est un moment privilégié, sont idéales pour développer ces programmes d'éducation thérapeutique. Je pense notamment sur les maladies métaboliques, beaucoup de stations travaillent sur le diabète. Je pense notamment à Eugénie-les-Bains, à Vichy, mais également à Valls qui vont proposer des séjours spécifiques. On va trouver aussi sur les pathologies respiratoires, notamment chez les enfants. On va le retrouver à la Bourboule, station d'Auvergne, qui va faire un séjour spécifique, mais également sur des pathologies dermatologiques. Et là, on pense à Uriage, à La Roche-Posay, les plus connus. Et puis, pour notre part, à Bourbon-Lancy, on travaille depuis 2013, depuis mars 2013, un programme d'éducation thérapeutique du patient pour les personnes atteintes de fibromyalgie, les personnes qui souffrent énormément au quotidien. Et donc, on les accueille sur un séjour où ils ont des soins thermaux adaptés. Et puis, vraiment, l'après-midi, tout un programme d'éducation thérapeutique lié à leur santé, lié à leur douleur, lié à leur stress, lié également au bien-être psychologique, au sommeil et à la santé en général. C'est vraiment une prise en charge globale. Programme d'éducation thérapeutique du patient où on va vraiment s'occuper du bien-être physique, du bien-être psychique, mais également de la nutrition, de plein d'autres choses, avec vraiment, et ça je tiens à le dire, avec la participation active du patient dans ces programmes. Donc vous en retrouvez plein, vous avez notamment, je crois, sur votre site, Luc, ces informations avec ces séjours spécifiques vraiment précis à une pathologie en particulier. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de choses que font les stations thermales depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années et qui accentuent encore leurs efforts sur la station de pleine santé et sur la station de prévention santé qui sera adaptée au plus grand nombre de patients. Merci Loïc, merci Luc. Comme tu disais Luc, peut-être passer maintenant aux questions que vous avez pu envoyer dans le chat. Je sais que Marjorie, tu as fait le lien et t'as envoyé les questions que nous avons eues en direct. À toi. Oui, j'ai quelques questions. Donc, une première question de Chris. Peut-on avoir plus de remboursements quand on est en retraite? Alors, ça ne va pas être lié à la retraite en tant que soi. Plus de remboursements, je ne crois pas, puisque le remboursement est fait par la Sécurité sociale et par la mutuelle. Donc, voir avec sa mutuelle et la Sécurité sociale. Par contre, si vos ressources baissent en arrivant à la retraite, peut-être que vous pouvez avoir une petite aide de la Sécurité sociale, comme je disais, pour l'hébergement ou les trajets, qui est à hauteur de 150 euros pour les 3 semaines. Donc ça, c'est selon les revenus. C'est pour ça que la Sécurité sociale vous demande votre feuille d'imposition, généralement, quand vous déposez votre prise en charge, pour savoir si vous avez le droit au supplément d'aide. Après, peut-être se renseigner sur d'autres dispositifs, aller voir ou lancer le CCAS de sa commune, peut-être, qui pourrait être pour prendre soin de vous, vous aider. Ça, je ne le sais pas. Les prises en charge sont généralement mutuelles et sécurité sociale. OK. On va continuer avec une autre question, un peu sur la prise en charge. Donc, une question de Baco. Je suis en ALD et j'ai aussi la CMU. Comment suis-je pris en charge? Alors, avec la CMU et surtout l'ALD, si vous venez faire une cure pour la pathologie dans laquelle vous êtes en ALD, vous serez pris automatiquement à 100%. C'est-à-dire que vous n'avancerez pas le ticket modérateur, et ça, c'est important, puisque vous n'aurez pas de frais à débourser auprès de la station. Ça sera directement pris en charge par la Sécurité sociale. La CMU peut parfois prendre en charge ce qu'on appelle le complément tarifaire. En fait, toutes les stations se sont vues imposer un complément tarifaire qui est un petit surplus que tous les patients doivent payer, qu'ils soient pris à 100% ou non. Mais parfois, la CMU permet de limiter ce coût. En fait,
de le prendre également en charge et ça évite que vous ayez à avancer ce ticket modérateur qui n'est pas toujours pris en charge non plus par la mutuelle parce que c'est un dépassement que les stations sont obligées d'appliquer. C'est imposé par la sécurité sociale, tout simplement. D'accord. Donc, dans la même thématique, on a une question de Claudio. Bonjour, puis-je choisir une station thermale très loin de mon domicile ? La CPMA m'accordera-t-elle la prise en charge à 65%, voire 100%? Alors, vous pouvez choisir une station qui n'est pas proche de chez vous du moment qu'elle répond à vos orientations. C'est ça le plus important, c'est le choix des orientations. Après, vous avez le droit d'aller dans n'importe quelle station qui prend en charge, qui est prise en charge par la Sécurité sociale. Attention tout de même, la Sécurité sociale choisit de plus en plus faire le choix de la station la plus proche et qui répond à votre pathologie pour éviter des frais de déplacement importants. C'est-à-dire que si vous avez le droit à la petite aide pour vos déplacements et l'hébergement, si vous allez choisir une station plus loin, la Sécurité sociale sera en droit de vous refuser cette aide, même si vous avez votre station qui n'est pas la plus proche. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le choix, il est fait à la Sécu, c'est elle a le droit de refuser cette aide ou non, selon la distance que vous aurez choisie. Si la station proche correspond, vous n'aurez pas le choix. D'accord, ok, c'est clair. Une question aussi de Claudio, toujours. Certaines stations proposent des mini-cures de 6 jours. La CPMA peut-elle intervenir dans ce cas ? Alors, pour l'instant, non. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Sur les cures de 6 jours, c'est généralement à la charge du patient. Attention, il existe certaines expérimentations actuellement, notamment, je pense, au séjour post-cancer, où la Sécurité sociale prend en charge la moitié des frais liés à ces cures plus courtes que les 18 jours. Là, on est sur 10 jours pour la cure post-cancer. Et là, vraiment, on a une aide de la Sécurité sociale, mais c'est en expérimentation, ce n'est pas pour tous les séjours de mini-cure. D'accord. Et pour rester un peu dans la thématique mini-cure, donc là, c'est une question spécifique pour Bonbon Lancy, donc de Maryse. Y aura-t-il encore des mini-cures proposées en 2022 ? Alors oui, il n'y a aucune raison. On a beaucoup développé pendant cette période Covid les mini-cures à Bourbon-Lancy parce qu'on sait que c'était important pour les gens de se retrouver, de se repenser à leur santé. Donc, on a développé ces cures, ces mini-cures santé. Elles auront toujours lieu en 2022. Souvent avec les mêmes conditions et vous pouvez les faire à Bourbon-Lancy durant toute l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date précise, vous pouvez choisir n'importe quand, mais ça vous pourrez retrouver ces informations hein, si vous nous suivez sur Facebook ou sur nos réseaux avec parfois de belles promotions également. Très bien. Ensuite, une question donc, de John Alain qui nous indique donc, je suis asthmatique, mon asthme est lié à de l'allergie animaux alimentaires. Puis-je espérer des améliorations grâce à une cure thermale ? Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, puisque nous, à Bourbon-Lancy, les orientations sont rhumatologie et maladie cardio-artérielle, mais en échangeant avec mes collègues, il y a énormément de bienfaits de la cure sur les problèmes d'allergie, qu'elles soient alimentaires ou liées à du pollen, hein, vraiment. Il faut faire sa cure au moins une première fois, voir ce que ça peut apporter. Et généralement, en voie respiratoire, on conseille vraiment de les enchaîner un petit peu parce que les bienfaits arrivent d'autant plus chaque année en supplément. Donc voilà, la cure pour les allergies fonctionne très bien. Et je vous conseille d'aller voir les orientations voie respiratoire où là, on vous proposera même des programmes très adaptés à votre situation. D'accord. Et donc, une dernière question qu'on a sur le chat donc de Chris qui nous indique « Mon petit-neveu qui est un bébé de 1 an a eu le Covid. Quelle station peut aider cet enfant et la prise en charge ?» Et donc, est-ce que voilà, il y a des stations qui développent un peu des prises en charge post-Covid en voie respiratoire du coup ? Alors, les stations vont toutes développer petit à petit des séjours post-Covid. C'est en train d'être travaillé avec les instances de santé nationales, hein, puisque le thermalisme s'inclut toujours dans une démarche nationale, c'est-à-dire qu'elle veut répondre à un besoin de la population.
et le Covid long, qui est un problème aujourd'hui, va être traité dans les stations thermales. Alors, pour un enfant plus jeune, hein, de 1 an, il faut bien sûr aller dans les cures spécifiques pour les enfants. Hein, je repense aux voies respiratoires où souvent ils ont un département pour les enfants, parce que toutes les stations thermales ne peuvent pas accueillir en séjour, en post-Covid long, un enfant de cet âge-là. Mais pour les adultes ou pour les adolescents qui auraient des difficultés à récupérer de l'infection au Covid, bien sûr que les stations seront à même de vous accueillir et de vous proposer un séjour adapté pour récupérer, pour retrouver de la mobilité et puis, on va dire, un pouvoir de respiration plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était donc la dernière question posée sur le chat, Luc, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Eh ben, merci, Luc. Merci à vous d'avoir posé ces questions. Merci, Loïc, d'y avoir répondu. Avec plaisir. Nous arrivons donc à la fin de ce live. Alors, sachez que toute l'équipe d'Écuriste.fr se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations. Vous avez juste en dessous le lien du site internet www.lécuriste.fr. Et puis, bien sûr, pour celles et ceux qui voudraient de plus amples informations sur la station thermale de Bourbon-Lancy, rendez-vous sur le site internet www.therme-bourbon-lancy.fr, par téléphone 03 85 89 18 84 et par mail à contact@stbl.fr. Vous retrouvez également toutes ces informations dans le fil de discussion de la vidéo juste en dessous. Sur la chaîne YouTube de Rendez-vous à Bourbon-Lancy. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner et suivre toutes nos actualités. Eh bien, écoutez, parlons thermalisme, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais ne manquez pas nos prochains rendez-vous dès le mois de janvier. Premier rendez-vous au Salon des Thermalis Paris, du 20 au 23 janvier 2022, avec d'ailleurs une conférence en direct sur la prévention santé, ainsi que, et nous travaillons dessus en ce moment, une nouvelle émission, Parlons Thermalisme. On se retrouve également au Salon des Thermalis, à Lyon, du 28 au 30 janvier 2022. Et puis, bien sûr, toujours en direct de nos studios de Bourbon-Lancy, où nous aurons le plaisir d'accueillir de nouveaux invités, où nous pourrons aborder les sujets de prévention santé, médecine thermale, de stations thermales de pleine santé. Comme je vous le disais, c'est une première d'une longue série de webconférences Parlons Thermalisme. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aussi nombreux. Merci. Merci à Luc Vigneron du site lécuriste.fr. Merci à Loïc Machiot. Merci, Benjamin. De la station thermale de Bourbon-Lancy. Un énorme et un grand bravo également au studio et à l'agence de communication Studio Borgo pour la réalisation de cet événement. À toutes et à tous, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Messieurs, à très bientôt et à bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.